De son côté, le gouvernement donne de nouveaux détails. Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, affirme qu'il y avait de bonnes raisons pour prendre cette décision d'expulsion. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, c'est le ministre de l'Intérieur, Philippe Marchand, qui a parlé de voyage et de faux papiers. Ce qui a justifié cette mesure d'expulsion, je l'indique tout de suite, monsieur le député, ce sont les agissements récents de monsieur Dury, qui n'a pas tenu compte, réfugié politique, des mises en garde et des avertissements que mes services, évidemment, car c'est leur travail, lui ont mandaté. Des relations avec des mouvements fondamentalistes, intégristes musulmans, en rapport avec le Maghreb, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Il a circulé sous des faux noms, avec des passeports différents. Bref, je peux résumer fraude. Je peux résumer agitation qui n'était pas nécessaire, mais il fallait respecter le droit, et j'ai respecté le droit, monsieur le député.